T'as l'air facile avec vous. Je suis impardonnable. Allez-y, je vous laisse passer. C'est le moment. Tu as réussi. C'est magnifique. Oui. Espérons que ça marchera. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Écoute-moi bien, Ezio. Tu vas devoir te déplacer de feu en feu. Chaque fois que tu en survoleras un, la chaleur te permettra de remonter un peu. Bene. Mais sois prudent. Ils ont posté des archers sur les toits. Évite leurs flèches. Ou tu n'iras pas loin. Si je pouvais me servir de mon épée tout en dirigeant cette machine. Eh bien, il te reste tes pieds. Si tu peux te rapprocher des gardes sans prendre une flèche, tu arriveras peut-être à les faire tomber. Pas bête. C'est maintenant ou jamais, mon ami. Matrosa ! Un démon volant ! Tire ! Tire ! Cosa ! Un démon volant ! Tire ! Tire ! Cosa ! Un démon volant ! Tire ! Tire ! Thank you.
cosa! Un démon volant! Tire! Tire! Un démon volant! Tire! Tire! Qu'est-ce que c'était ? Rien du tout. Des enfants qui jouent, avec des feux d'artifice. Venez, c'est à vous. Thank you.
Déjà vu. Qu'est-ce que... Non, signore, ne buvez pas! C'est trop tard. Le doge est mort. Quoi? Carlo? Je suis désolé, signore. Vous auriez dû m'écouter quand vous en aviez l'occasion. Je crains que tu n'aies échoué, assassin. Pardon, signore. J'ai essayé. Pourquoi? Je ne comprends pas. Assassino! Assassino! Il a tué le doge! Le doge est mort! Rien de tel qu'un assassin pour en tuer un autre, n'est-ce pas? Nous tuons seulement si c'est dans notre intérêt, n'est-ce pas, Messer Ezio? Non, je ne fais pas ça pour moi. Si je te sacrifie, c'est uniquement pour le bien de mes semblables. Requiescat in pace. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Il s'enfuit. Arrêtez-le. Je suis avec toi. Que diable. Passez dans le coin, venez me voir! Merci, et n'hésitez pas à revenir.
dans le Grand Canal, un décret... Salutez à vous, interdire la consommation excessive d'alcool sur les bateaux. Je ne te quitterai plus des yeux, petit agneau. La main. En conséquence, des amendements ont été ajoutés au texte de loi sur la tolérance. Merci de les consulter. Une cruche de vin. Car il défend notre cause de tout son cœur. Ne le laissez pas souffrir en silence. Aidez-le dans... Seuls les gardes sont au-dessus des lois. Assassin ! Reculez ! Tu seras damné pour tes péchés. Selena. Voleur. De meilleur prix qu'ici. Regardez, mes dames. Dernier. Ah, je vous trouve un peu trop rustre pour mes produits raffinés.
J'accueille tous ceux qui ont besoin d'aide. Toute activité commerciale est dorénavant interdite. Salut à vous. Et ceci tant que le Saint-Père n'aura pas fait connaître sa décision. Les marchands agissant à titre privé peuvent poursuivre leur activité sans craindre de représailles. Ces remèdes traditionnels sont les trésors de la sagesse. Attention! Entrez, mes amis, hein? Ce n'est rien. Passez une bonne journée. Qui sont les citoyens que les récentes campagnes visant à défendre nos intérêts à l'étranger ont mis des Soyez les bienvenus dans ma modeste galerie. Continue comme ça. Tu vas constater que notre hospitalité n'a rien de surfait. Le voilà, tu vas faire ça.
clients se sont déjà arrachés nos paysages. Mais je peux vous proposer des scènes de genre très réalistes. Vous souhaitez immortaliser celle qui fait battre votre cœur? Aucun problème. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Il s'est échappé d'un cirque ou quoi? Essence. Une autre fois, peut-être. Mes articles trop chers, je répondrai de la qualité à un prix. Tu es mort! Thank you.
J'ai vu quelque chose bouger dans ce tas de foin. Reste assis. On n'a pas fini, c'est à toi de jouer. Cette fois, j'ai vu quelque chose. J'en suis sûr. C'est ce que tu dis à chaque fois. Tu avais raison. Il y a quelque chose dans cette meule de foin, Froussard. Arrête de te moquer de moi. C'est pas drôle. J'aurais pu me faire tuer. Par des rats? Oh, tu ne... Plus vite! Laissez-moi tranquille! Oui, je crois que je suis tiré d'affaire. Nous sommes attaqués! Garde! Aux armes! Aux armes! Je suis poursuivi.
Sont vraiment très doués. Tu vas leur raconter tous tes secrets et les secrets de tout le monde. Méfiez-vous et rappelez-vous ce qu'on vous a appris. Capitan. Il s'enfuit.
tout là. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je l'ai forcément. Je peux. Merci pour cette précieuse offrande, Altair. Puisse-t-elle me protéger de mes ennemis. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage! Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre? À bientôt, Ezio.
vous ne le regretterez pas. Revenez me voir souvent. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Bien, une autre fois. J'ai aussi de nombreux accessoires. Une autre fois, peut-être ? Je comprends très bien. J'attends. Je soigne tous les enfants de Dieu. Une autre fois, peut-être. Citoyens, la scuola di Sant'Orsola
va commander de nouveaux tableaux pour décorer sa chapelle. Sieur Carpaccio est donc plus disponible. Buona giornata. Passez me voir à l'occasion. Je reste ce qu'il vous faut. Je propose. Tuer le Doge ? J'ai essayé de le sauver, Leonardo. La vérité importe peu. J'ai échoué. Je suis l'homme le plus recherché de tout Venise. Dans ton malheur, tu as de la chance. Venise fête le carnaval. C'est le moment où tout le monde cache son vrai visage. D'où ma présence. Aurais-tu un masque à me prêter ? Oui, bien sûr. J'ai ça quelque part. Merci, mon ami. J'ai quelque chose pour toi. Oh ! Une page du codex. Ah, celle-ci est plus complexe. Ce sont encore des plans. Un mécanisme pour ton poignet, mais pas une lame. En fait, ça ressemble à une sorte d'arme à feu. À peine plus grande qu'un colibri. Comment est-ce possible ? Excellente question. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Se casser quelque chose. Rira bien qui rira le dernier. Tu t'es encore surpassé, l'ami. Ah, certo. Mais je suppose que tu n'es pas revenu pour t'amuser avec de nouveaux jouets. Et ici à cause de cet horrible doge qu'ils ont choisi, Marco Barbarigo. Alors je te conseille d'aller voir ton ami Antonio. Je l'ai croisé plus d'une fois ces jours-ci chez une amie commune. Il trouvera dans le quartier du Dorso Duro, au sud. Demande la sœur Teodora. Une sœur ? Oui, enfin, si on veut, une sœur, Ezio.
Si tu vas là-bas, ce sera sans tes armes. Grazie, Leonardo. Ah, et pour ce qui est du masque? Antonio, il faut qu'on parle. Ezio! Ezio Auditore! Teodora, je te présente le plus talentueux des hommes de Venise. Madonna? Ah, c'est vous, la sœur Teodora. J'ignorais que tu avais décidé d'embrasser la religion. La religion peut prendre différentes formes, mon fils. Les femmes aussi ont droit à la rédemption. En douterais-tu? Bien! Joins-toi à nous. Prends un verre. Avec les filles. Ah ! Assassin ! Boucher ! Il a tué Lucia et il lui a pris son argent. Eh bien, Messer Ezio, c'est l'occasion de nous montrer tes talents. Arrête-le ! Si tu fais un pas de plus, je te préviens, j'en massacre une autre. Ne m'oblige pas à en tuer une autre. Bon sang, me tires-tu ? T'approche pas de moi. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. J'en massacre une autre. Ne m'oblige pas à en tuer une autre. Une autre. Ne m'oblige pas à en tuer une autre.
Quanto tempo! Nous te sommes reconnaissants, Ezio. Les ennuis te suivent partout, où que tu ailles. Antonio, tu sais pourquoi je suis ici? Pour débarrasser Venise de Marco Barbarigo? Franchement, Ezio, tu vas pas remettre ça. Le nouveau doge est un trop gros poisson, tu peux me faire confiance. Ce Templier ne quittera jamais son palais. C'est vrai, sauf dans la soirée. Marco ne peut pas manquer le carnaval. Et comment le sais-tu? Il va donner la plus grande fête jamais organisée. Mais y assister ne sera pas facile. Il te faudra un masque d'or pour entrer. Il ne va pas croire qu'il suffirait d'en fabriquer un, car vois-tu, Ezio, chaque masque est numéroté. Mais rien n'est perdu. J'ai peut-être une idée. Nous allons t'aider à remporter un masque. Oui, qu'y a-t-il? Tu veux me demander quelque chose? Oui. Pardonne-moi, mais pourquoi t'habilles-tu comme une nonne si tu n'en es pas une? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Détrompe-toi, mon fils. Je suis mariée au Seigneur. Mariée au Seigneur, toi? Tu es une courtisane. Oui, et alors? Je ne vois pas où est la contradiction. Je vis ma foi comme je l'entends. Et je fais ce que je veux de mon corps. Ce sont des choix qui ne regardent que moi. Comme de nombreuses jeunes filles, j'ai été attirée par la religion. Mais j'ai très vite été déçue par les soi-disant fidèles de cette cité. Pour la plupart des hommes, Dieu n'est qu'une idée très abstraite. Il ne touche ni leur âme, ni leur cœur. Les hommes doivent apprendre à aimer s'ils veulent trouver la rédemption. L'amour, c'est ce que mes filles et moi leur offrons. Quand j'ai compris qu'aucune église ne partagerait ma vision des choses, j'ai décidé de fonder la mienne. Elle n'est pas très conformiste, mais grâce à moi, jour après jour, le cœur des hommes grandit. Et pas seulement leur cœur, je parie. Signore, signori, approchez, approchez. Les jeux du carnaval vont bientôt commencer. Vous aussi, vous pouvez participer et tenter de remporter un prix des plus prestigieux. Cette année, comme chaque année, ce superbe masque d'or permettra à un et à un seul d'entre vous d'assister au bal qu'organise notre doge bien-aimé. Comment ne pas être tenté par une récompense aussi flatteuse? Venez, entrez en lice. Ce soir, celui d'entre vous qui aura été sacré champion dans chacune des quatre épreuves aura l'honneur d'être l'invité personnel du doge. Nous comptons sur toi, Ezio. Signori, signori, le prochain défi est peut-être le plus facile de tous, ou le plus dur, qui sait. Un jeu où charisme et séduction sont de mise. Approchez, approchez. Bienvenue. Messieurs, peu importe l'issue de cette épreuve, je suis certain que vous ne l'oublierez pas de sitôt. Mesdames, voilà comment ça va se dérouler. Toutes les dames de ce quartier ont des rubans. Vous devrez les récupérer. Celui qui en rapportera le plus avant que le temps ne soit écoulé pourra caresser l'espoir de remporter le prestigieux masque d'or. Allez, viens, vous êtes très en beauté cet après-midi. Alors, comment ça va? Avez-vous quelque chose pour moi, belle Lémi? Bonjour, merci, mesdames. Puis-je me joindre à vous? Puis-je vous demander un ruban? Allez, viens, vous êtes très en beauté cet après-midi.
Bonjour, merci, mesdames. Merci, mon... Belle joie. Puis-je vous demander un ruban? Nous avons un vainqueur! Vous avez plus de rubans que quiconque dans cette assistance! Vous êtes incontestablement le favori de ces dames! Continuez comme ça, et le prix le plus prestigieux de tous les temps vous reviendra! Tous les marchands ne sont pas concernés. Merci de consulter le texte du décret. Une mort rapide, ça tente. J'ai pas le temps. Hé, il va bien que tu parles. Seul le diable diront-ils au moment de perdre la vie. À qui le tour ? Approchez ! Soyez le plus... Benvenuti ! Bienvenue à tous ! Serez-vous capable de vous surpasser dans un jeu de vitesse et d'endurance ? Nombreux sont les défis qui vous attendent ! Ce jeu est fort simple, mais aller jusqu'au bout est presque impossible ! Partez quand vous voulez ! Le premier concurrent qui battra le record de la course pour espérer décrocher le masque d'or. Vainqueur ! Vous venez de prouver que vous étiez l'homme le plus rapide de tout Venise ! Continuez comme ça ! La récompense suprême est à portée de main ! Je tiens à porter à votre attention qu'un bal masqué sera organisé devant le palais d'Andolo dans une semaine. C'est... Puisse la fortune favorite.
Approchez, c'est ça, venez tous. Je vous propose ma... Bienvenue, bienvenue. Les règles de ce jeu sont simples. Distancez vos adversaires, capturez le drapeau au centre du terrain et rapportez-le à votre position de départ pour marquer. Si votre adversaire s'est emparé du drapeau, assommez-le pour le récupérer. Soyez le premier à avoir capturé 3 fois le drapeau et le masque d'or sera peut-être à vous. Nous avons un vainqueur. Vous avez défendu votre drapeau et capturé celui de l'ennemi. Vous avez prouvé que vous étiez un guerrier hors pair et vous vous rapprochez un peu plus du sac ultime.
Cet homme illustre protège les pauvres contre les puissants. Il donne de l'espoir. C'est un élixir. Approchez, approchez. Entrez. Dans l'arène. Serez-vous capable de vaincre vos adversaires? Qui tiendra le plus longtemps? Malheureux combattants, je vous salue. Ce jeu est simple. Il n'y a qu'une règle. Aucune arme n'est autorisée. Les combats vont se succéder, mais à la fin, il ne peut en rester qu'un. Est-ce que ce sera toi? Ou toi? Qui remportera le masque d'or? Passons maintenant au prochain combattant! Qui d'autre veut tenter la chance? On dirait que celui-ci se prend pour le champion de service. Vas-y, Dante, montre-lui ce qu'il en coûte de se surestimer. Volontaire pour défier notre champion. Dois-je le déclarer vainqueur? Ah! Voilà d'autres combattants! Alors comme ça, on oublie les règles, hein? Là-bas! Toi, tenir, c'est pas s'enfuir! Attaquez en position. N'oubliez pas ce que vous a appris. Signore et signori, cette année, les célèbres jeux du carnaval s'achèvent sur une note glorieuse. Notre vainqueur va venir chercher son masque d'or. Notre vainqueur a prouvé qu'il était le plus rapide des coureurs, le plus fort de tous les champions, le plus fin des stratèges et clairement le favori de ces dames. Avec 4 épreuves remportées à la loyale, le vainqueur du masque d'or est... Le vainqueur du masque d'or est... Dante Moro! Félicitations. Nous te disons à ce soir. L'urine de mouton et les cataplasmes de romarin font des miracles. La costume de la Dalmatie devront être examinés par un médecin. Une épidémie de peste s'étant récemment déclarée dans cette région. Pour le bien de tous, veuillez consulter le plus vite possible. Désolé, Ezio. Nous ne pouvions pas prévoir que Silvio allait tricher. Vraiment? Ma sœur, vous vouliez qu'on vous prévienne si on apercevait la crapule qui a reçu le masque d'or.
Il est en route pour la fête du Doge. Parfait. Je vais le rattraper avant qu'il arrive et lui reprendre le masque. Comment? Tu vas le tuer, lui aussi? Oui. Tu sais ce qui est en jeu. Non. Si tu le tues, ils annuleront la fête. Et Marco ira se réfugier dans son palais. Nous avons perdu assez de temps. Contente-toi de voler le masque. Discrètement. Les filles t'aideront. Elles sont en route pour assister à la fête. Tu les verras en chemin. Quand elles feront diversion, tu en profiteras pour t'emparer du masque. Va bene. Ça me convient. Le mois dernier, à lui seul, le vicomte m'a acheté 300 sabres pour ses cavaliers. La perfection n'a pas de prix. En fait, si. Mais il est très élevé. Cet homme illustre protège les pauvres, je vous en prie. Vas-y, mon mignon. Tu n'aurais pas envie de te distraire un peu? Ciao, ragazzo. Viens donner un baiser à une très jolie compagnie. Il se meut dans la pénombre.
J'ai laissé tomber quelque chose dans ma robe. Tu as besoin de tout tomber. Je ne voudrais pas m'aider à rajouter ma robe. Buonasera, signore. Tu as réussi. Marco est à bord d'un bateau. Il va prononcer son discours dans quelques minutes. En attendant, mêle-toi aux filles. Déplace-toi avec elles pour ne pas te faire repérer. Trouvez-le. Ciao, ragazzo. Alors, de la compagnie? Non, prends les questions. Signore e signori, veuillez accueillir notre bien-aimé Doge de Venise. Benvenuti! Bienvenue, mes amis! Bienvenue à l'événement le plus grandiose de la saison! Qu'elle soit en paix ou en guerre, qu'elle soit prospère ou dans la misère, la cité de Venise aura toujours son carnaval!
merde. Il reste à bord du bateau. Je vais devoir y aller à la nage. Je te le déconseille. Ils t'auront vite repéré. Dans ce cas, je vais devoir y aller en... Attends. Ce soir, nous sommes tous réunis pour célébrer notre génie. Les lumières de notre belle cité n'ont pas fini d'éclairer le monde. Bien sûr. Ton pistolet. Celui qui a... été le meurtrier. Les explosions couvriront la détonation. Tire au bon moment, et personne ne remarquera ce que tu as fait. J'aime vraiment ta façon de penser, tu sais. J'attendrai ton retour au Berkai, mon fils. Nous avons traversé des moments difficiles, je ne vous l'apprendrai pas. Mais, tous ensemble, nous avons relevé la tête. Et la cité de Venise en est ressortie plus forte que jamais. Nous sommes tous réunis pour célébrer notre génie. Les lumières de notre belle cité n'ont pas fini d'éclairer le monde. Bien sûr, ton pistolet. Celui qui a arrêté le meurtrier. Les explosions couvriront la détonation. Tire au bon moment, et personne ne remarquera ce que tu as fait. J'aime vraiment ta façon de penser, tu sais. J'attendrai ton retour au Berkai, mon fils. Je ne suis pas prêt. On l'est rarement. Puisse la mort t'apporter la sérénité. Requiescat in pace. J'ai l'impression que ça va déjà venir. Vas-y, Stranzo, essaie. Mais quel spectacle! Un vrai héros! Tu dois être épuisé. Viens, détends-toi. Ah!
le sauveur de Venise. Je ne sais pas quoi dire. J'avais tort de douter comme je l'ai fait. Après tout, nous verrons bien ce qu'il en ressortira. Ça suffit maintenant. Tu as eu une rude journée. Ton corps est fatigué. Il a besoin de confort. Et de réconfort. J'ai mal partout et je souffre le martyre. J'aurais surtout besoin de réconfort et de chaleur humaine. Oh, ça peut s'arranger. Les filles ? Ezio, Ezio, Ser Antonio souhaiterait te parler. Merci pour le message. Vous avez besoin d'un docteur ? On parle d'agitation dans les rangs hautement. Le Gorge et le Conseil des Dix se réunissent aujourd'hui pour déterminer la conduite à adopter. Il est déconseillé aux marchands de voyager sur la mer Égée dans l'immédiat. Hé, arrêtez ça! Attention! En plus, c'est quelqu'un!
Les récentes inondations des quartiers qui font face au Lido ont causé de nombreux dommages. La prudence est recommandée aux abords des sites de construction. Veuillez signaler tous dégâts subis par les propriétaires de la ville et soyez courtois avec les ouvriers. Je ne cours pas assez vite! N'approchez pas! Perdio! Retournez faire le pitre à la cour, bouffonne! Prenez tout! Tu redescends ou je me charge de toi? Tu n'as rien à faire là-haut! Va-t'en! En conséquence, des amendements ont été ajoutés au texte de loi sur la Coleganza. Merci de les consulter! Quel idiot! Il doit être pressé de voir sa fiancée. Nous avertissons les citoyens que les récentes campagnes visant à défendre nos intérêts à l'étranger... Le plaisir est pour moi. Parlez de moi autour de vous. Mes chers amis, ici non, vous ne laissez-moi tranquille. Arrachés d'opinion.
Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Je peux aussi vous proposer tout. Envoyez-nous vos amis. Salute, Claudia. Tu veux consulter le livre ? À bientôt, Ezio. Ce sera pour la prochaine fois. Revenez quand vous voulez.
Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Un héros contre les forces du mal s'interpose. Bien. Pourquoi, merde? Alors meurs. Je suis pas votre ami. Je vous assure. Je viens tout juste d'arriver. Seigneur, encore mes amis, j'ai des sangsues toutes fraîches. Approchez, mes amis. Une saignée chaque semaine, c'est la garantie. Allez, plus vite! Éloignez-vous! Arrêtez ça, vous allez finir par blesser quelqu'un. Je dois m'enfuir. Reculez! Thank you.
pas assez vite. N'approchez pas. Viens par ici, Dana. Laisse-moi t'enseigner quelques rudiments de survie en milieu hostile. Quel idiot je fais. Tu redescends ou je me charge de toi? Tu n'as rien à faire là-haut. Va-t'en. Ah non, vous devriez boire un verre d'eau de vie. C'est ça, un vrai moment difficile. Le conseil a autorisé la reprise des échanges commerciaux avec les villes des côtes de Barbarie. Le nouvel accord signé avec le maire garantit votre sécurité. Je vais désormais soumis à un contrôle de conformer à certaines normes. Dio del cielo, il va blesser quelqu'un. Tous les citoyens de notre République sérénissime. Ne cours pas assez vite. N'approchez pas. Des accidents et des noyades dans le Grand Canal. Un décret a été adopté pour interdire la consommation. Ah, te voilà. Viens, Ezio. Je voulais te présenter un associé. Voici Agostino Barbarigo, le futur doge de Venise, grâce à toi. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer, illustrissimo. Mes condoléances pour votre frère. Paix à son âme. Il s'est laissé corrompre par Borgia.
Une erreur que je n'ai pas l'intention de commettre. Bien, Ezio. Nous devons discuter. Nous avons fini par trouver Silvio Barbarigo. Il est caché dans l'arsenal. Ha ! Caché ? Non, il l'occupe. Et avec 200 mercenaires par-dessus le marché. Vous êtes le doge, non ? Vous ne pouvez pas exiger leur reddition ? Le Conseil des 41 n'a pas encore entériné ma nomination. Et le tour de force de Silvio ne va pas jouer en ma faveur. C'est toute une armée qui est sous ses ordres. Alors aidez-moi à lever la mienne. Je savais que tu dirais ça. Bartolomeo d'Alviano pourra t'aider. Il ne porte pas Silvio dans son cœur. Il vit dans le quartier militaire, au sud-ouest de l'arsenal. Très bien. Je vais aller le trouver. Buongiorno.